Bonjour, nous sommes bien dans votre espace pro unboncoiffeur.fr et aujourd'hui on va voir comment mettre à jour les horaires de votre salon de coiffure. Alors vous avez la possibilité soit de cliquer dans le menu sur le lien horaire, soit directement quand vous êtes dans le tableau de bord de cliquer sur le bouton horaire, un accès rapide. Voilà. Et là donc on voit que des horaires ont été déjà enregistrés. Ces horaires actuellement elles se positionnent sur votre fiche salon ici. D'accord? Donc on voit les horaires de votre salon qui sont marqués avec en vert la journée dans laquelle on est. Donc on va modifier ces horaires parce que sur ces horaires vous allez pouvoir ajouter ou modifier des horaires. Avec le bouton ici, vous allez pouvoir éditer. Donc vous aurez repassé votre journée qui va se positionner ici. Si on va changer, on va voir, hein. On va mettre 18, on fait enregistrer et là on va voir de suite que ça passe à 18h. Un message vous dit que les horaires ont été mis à jour ici, d'accord? Donc là on voit bien que la mise à jour a été faite. Et si on retourne dans votre salon, vous voyez que là c'était 19, mais si vous rechargez, eh bien c'est passé à 18, c'est instantané. Donc chaque fois que vous faites une modification, la modification est prise en compte immédiatement et en direct. Donc on va repartir sur la modification. Donc là, on va dire que on va remettre 19h. Et on va. OK. On peut supprimer un horaire. Par exemple, là, on a envie de le supprimer du lundi. Ben, on supprime. Alors, on ne va pas supprimer le jour, on supprime l'horaire. C'est-à-dire qu'on considère donc que vous êtes fermé le lundi. Si on retourne dans la fiche salon, on fait recharger et on voit que c'est fermé. Maintenant, si par exemple, ce qui peut se passer, c'est que vous avez deux plages horaires, c'est-à-dire que vous êtes ouvert le matin de 9h à 12h et l'après-midi de 14h à 19h. Eh bien, il faut créer deux plages horaires de cette manière, c'est-à-dire qu'on va sélectionner le jour. Bon, là, on va sélectionner le lundi. On va dire que vous allez être ouvert de 9h, pardon, 9h. Et ça, ce sont les minutes. Si vous voulez mettre des minutes, ben, c'est ici que ça se passe. Mais bon, on va mettre 9h, 12h. Et on va faire enregistrer. Et là, on voit qu'il n'y a qu'une seule plage horaire. Donc, que le lundi est ouvert de 9h à 12h. Et vous voulez que vous êtes ouvert de 14h à 19h en plus. Eh bien, rien de plus simple. Vous allez créer une deuxième plage horaire pour le lundi, c'est-à-dire le lundi. Ouvert de 14h, allez 14h30 on va dire, voilà, hop, et comme ça on voit les minutes, 14h30 à 19h, et on fait enregistrer. Et maintenant vous voyez que vous avez les deux plages horaires. Si on retourne sur votre fiche du salon, on fait recharger, on voit bien que vous avez de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. Voilà, donc voilà un petit peu comment fonctionnent les horaires. C'est un point essentiel car les horaires vont déterminer vos plages de prise de rendez-vous à partir de l'agenda qu'on verra dans un prochain tutoriel. Moi, je vous dis à très bientôt.